Alors, donc on est où là? Le bleu espagnol. Au château? Bah, bien sûr. Hein? De quoi? On le verra deux fois. Pourquoi deux fois? Bah, ils vont vouloir. On sera. Oh là là! 6 euros. Alors, c'est quoi ça? Tu m'as dit? Plaza de Carlos V. Carlos V? Si, bon. De qui? De Charles Quint. Charles Quint, bah c'était un Allemand, ça, non? Mais non, mais Charles Quint, non, c'est pas l'Allemand. Ah bon? De style plateresque, cette œuvre originale du grand architecte. De Passio, pareil. Là, tu vas un coup, tu vois? 1, 2, 3. D'accord. Tu suis ton plan. Ah bon? Ah bah dis donc, c'est par là, suivez le guide. Fascinant de la baie de Palma, sans oublier le moindre détail ornemental, un résumé harmonieux, des joyaux les plus célèbres et incomparables que l'homme a créés au cours de l'histoire d'Espagne et qui jalonnent la géographie du pays. Passionnel. Allez, en avant. Allez, on continue. Oh, t'as vu si c'est... Regarde, non, mais t'as vu. Ah, c'est là. C'est magnifique. De la dentelle de pierre, c'est ça? Oui, la Ah tiens, on va se faire un petit peu de marche. Allez Roger, encore un petit effort. T'es presque arrivé. Il peut pas faire un truc. Il est pas beau lui, hein? Comment tu t'appelles toi?
pas qui c'est ce grand-père-là, mais... On se retrouve à l'air libre, là. Où tu vas, là? Allez, femme. Et puis, il y avait une vierge noire. Agnès lui prendre la photo. Et puis, les mains. Ah, au fond, il y a une petite hacienda. Il a mauvais état cet arbre. Allez, allez. Encore un effort. Ah, ça y est, elle est des nôtres. Je fais pas ce que je veux. Alors voilà, sortie du monastère de je sais plus comment ça s'appelle. C'est le monastère de Luc. Sanctuaire de Luc. Allez, on va vérifier si tout le monde est là. Est-ce que tout le monde est là? Il n'a pas sa voisine. Il est parti en haut à la grande. J'ai 5 minutes. Qu'il y a une falaise verticale, vous le voyez avec les jeux de lumière et ombre, et aussi une grotte. Hein? Oui, c'est le mur vertical. Oui, oui, oui. C'est un canadair, ça brûle. Pour arriver là-bas, il a dit Juan, si tout va bien, une demi-heure. Oui Juan, et si quelque chose il va passer. Comment ça s'appelle? Calobra? Ah, il y a une mouette là. Tu rentres dans le torrent? Alors donc le torrent, il arrive ici, il passe là, avant il passait dans le tunnel où on y était, et il va directement à la mer, voilà. Oh le bilou! Ouais, dans 1000 ans c'est des grottes là. Tiens, il sort du tunnel là. Allez, regarde-moi. Ah bah tiens, il y a Roger et puis Annie. Oula! Tu vas plus avoir demain. Passe à côté. Oh là 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 là, il me fait peur. Regarde, à 3 qui sont là. Oh, il voit pas vite, hein. Oui. Et tu sais, il se méfie à Bretigny. Après, c'est une bête, ouais. T'as dit, Roger? Qu'est-ce que t'as dit, Roger? 100 ans en arrière? Oui, on tu vois un peu? 100 ans en arrière. 100 ans? Marianne,
Roger, on va se faire écraser là. Ah, je vous vendrai ça à 1 euro là. Allez, on se dépêche là, on se dépêche, on passe là. Oh la vache! T'es pas exprès là, hein? Oh la vache! Oui. Bah, il prend l'essence interdite. Hop. Ah, il va arriver. Voilà. Vous voyez, vous êtes filmé. Vous aussi, madame. On va pas tâter. C'est le coucher du soleil sur Palma de Majorque. Et là, c'est la vue du balcon de l'hôtel. Ah bah là, on s'est trouvé un petit coin sympathique. Donc là, c'est la croûte au bord de la plage. Ah bah, regarde donc. On se fait un petit pique-nique à... Ah bah il faut des olives avec le pinard, hein. Jean-Pierre, on est où ici alors? On est où là? Comment s'appelle le truc là-bas? D'accord. J'ai appelé rentrer. Ah, c'était que marcher, ça faisait cher, tu sais, la sortie. Oh là là, je vous dis pas, on n'est pas arrivé encore, hein. Oh putain. En plus si on va là-bas, on va pas être triste. Avec les 3 litres de rouge de Jean-Pierre. Alors, face à la mer. Ascension possible, mais dangereuse. Voilà, on est arrivé par là. Et on va repasser par là. Et voilà, on s'est payé le phare. Oh, putain, il y a des nuages qui tombent dans la mer. Les pièces, parce que je n'ai plus de batterie. Ah, mais t'es tellement en plein soleil que tu vois rien alors. Oh là, je te dis pas, là, ça fait drôle. Oh là.
Ah, c'est terminé là. Bah, attends, on voit plus rien. Voir. Voir. Une femme derrière. Ah ouais. Là, tu parles de. Voilà. Nous arrivons à la fabrique de perles de Mallorca. Alors, il y a une machine qui tourne, je ne sais pas ce que bah, ça enfile des perles. Je ne sais pas ce que c'est comme perles, on verra bien sûr. Ah oui, ça s'enfile tout seul les perles. Après, il y a un chalumeau qui chauffe tout ça. Là, là il y a la dame qui fait fondre un morceau de plastique sur un fil. Ah bah c'est pour faire la perle. Qu'est-ce que c'est extraordinaire? Ben c'est pas des perles, c'est du plastique. Ah oui. Bon, voilà, elle prend des perles, elle met ça dans la nacre. Hop, on va mettre ça sur un truc qui tourne, je sais pas pour. Ben c'est pour les voûter, je pense. Ah oui. Hop. Et voilà. Je pense que la nacre coûte plus cher que le plastique. Ça, c'est des petites mains qui enfilent les perles ou qui mettent les sautoirs. Ah, peut-être qu'ils enfilent les perles. Hein. C'est quoi ce truc-là, là-bas? Ah, c'est pour faire des perles plates, ça. Oh là là, là, je sens qu'on va se faire escroquer là-dedans. Oui, aïe, 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 aïe. Ah, puis il y en a encore une rafale par là. Oh, putain. Où est-ce qu'elle est passée, Annie? Oh, il y a Jean-Pierre qui remonte et il a l'air tout défait, lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ben, il y a encore une cave à perles. Ah, il y a toutes les stars emperlées, là. Là, il y a Marie. Là, c'est la Miss du Rocher. Tiens, Audrey Hepburn. Ah, lui, il est pas beau. Attends, on n'est pas bien ici. Là-dedans. Là, on va faire griller des petites côtelettes. Là. J'attends Jean-Pierre pour qu'il amène. Pas des glaçons, tu les jettes. Hein. Écoute, pour aujourd'hui, si on s'arrête pour boire un coup, qu'il ne s'est pas frais. Mais... Un, deux. C'est tout fin là. C'est tout fin là, on se la prend. Et là, ça se reflète. L'autre, c'est l'appareil. Ah ouais. Oula, c'est ça moi qui m'impresse. Mais c'est bien. Bonjour Alain. Bonjour. Comment allez-vous? Ah oui, c'est sympa ça. Ouais, voilà la finale. Là, on est à la Cala à quoi déjà? Je sais plus. C'est pas Figuera parce que. Jean-Pierre, c'est la Cala à quoi? Celle-là, là. Figuera. Non. Et l'autre, c'était c'est quoi? Santani. Santani. Celle d'avant, c'était Figuera. Donc maintenant, avant, c'était à la Cala Santani. Voilà. Maintenant, c'est Figuera. Oh, oh bah dis donc, ça va mal, hein, Marie. Ça va mal. Conversation au chien, depuis le chien, là, ils sont. Ah bon? Donc il y avait la Santa Cala. Moi j'ai vu l'escalier. Alors non, on se croirait plutôt à. On se croirait plus. On se croirait plutôt à Osgore qu'à sur la Méditerranée. Hein. Alors, on est où là? Valdemosa. Eh ben voilà, il manquait plus que lui ici. Là. T'as vu? T'as vu qui c'est ça? Non, ça c'est Roger, mais l'autre là, qui c'est? Ben, je peux te dire qui c'est. C'est Frédéric Chopin.
Alors c'est là qu'il venait faire de la musique, Chopin, non? Alors ça, c'est la sainte de Waldemoser. Tiens, il y a Milou qui est en train de... Elle est en train de rendre la justice. Là. Hein? Ah ben, nous rentrons dans les appartements de Chopin. Chopinette. Ah ben, il y a Georgette aussi, là. Oui, oui. Saint-Côme et Damien. Ah ben, hier. Et là, vous allez voir la petite guerre. Tiens. Il est pas mal du tout, ce petit jardin. Il y a même un matou, là. Ah, le chat. Oui, tiens. Oula. Je sais pas pourquoi ils appellent ça une cellule. Ah, oh, mais il y a le curé qui baptise. Vous laissez vous deux. Mmh. Vous êtes allé pisser ? Mmh. Oui, c'est ça. Et après, tu as toute ta bibliothèque qui date de... trois siècles. C'est elle qui a fait tous les bouquins. Là. Alors là, on sort dans les jardins de Georgette et de Chopin. Ah, qui a un espalier là. Ça n'avait pas été rigolo. Hein. Elle était pas mal la Georgette. Hein. Le Chopin, il a connu Georgette sur le bateau. Là. Ah là, c'est les amis de Chopin là, qui sont là. Tiens. Alors c'est qui le guignolo là? C'est qui celui-là? C'est Bacchus, non? Lui? Bah allez, bah, vous pouvez prendre la sortie, ça y est. Qui c'est qui est derrière, Roger? Ah non, il a été pris en long, en large et en travers lui aujourd'hui. Oh, oh! Annie! Joël! Joël! Fais demi-tour, Jeannot. Oh, oh. Donc nous sommes arrivés à la grange. C'est ça. Et ben voilà. Ah, celui-là, il est beau, hein. C'est Bouc-Bélair. Ouais. C'est Zaco. On peut rentrer avec ça. Ah, nouvelle expédition de la Grange. On les a vus, ceux-là. On pensait qu'il y en avait un autre avec le corps. Il y a les chevaux.
Non, non, pas de cheval. On fait pas de cheval. On prend, on mange. C'est pas ça, on aurait dû retourner à réfugier tout ici. Tu veux voir comment tu fais là? Oh, c'est bien. Oh, t'as le coup de mal là. C'est le cheval de Zorro. Il est pas épais celui-là. Ah, c'est un âne. Là, c'est Tornado. Ouais, Tornado, il a dit oui. Alors là, c'est la roue à... je sais pas quoi, la roue à eau. Là, il y a des marches, hein. Oh, Maryse. Ouais, il a une drôle de tête, celui-là. Alors là, c'est où on fait des teintures, enfin je pense, c'est ça. Donc après, ils trempent ça dans les tonneaux, et ça fait des tissus de toutes les couleurs. Ceux-là, ils sont faits. Là, il y a des couleurs là-dedans. Allez, on va se redescendre ça, tranquille. Ça lui a servi de parachute. Oui, bonjour madame. Le billard Nicolas de ma grand-mère. Enfin, c'était pas celui-là, mais c'était presque pareil. On dirait beau citron comme ça, regarde. Regarde-moi quand même. T'as vu cette tête? Qu'est-ce qu'il est chaud. Alors, c'est guignol, c'est guignol. La fille m'a pas tout connu. Oh, les trains, non? C'est pas des jouets, ça, si. Oh là là, ça sent l'alcool là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là, je sais pas où on est là. C'est pour faire quoi tout ça? Ah, c'est le moulin à huile. C'est le moulin à huile. Voilà. Moulin à olive. Et à Marius. Allez, passe sur le pont là. Par le petit pont, par le petit pont. Ah ben. Oh ben le cochon n'est pas content, ils sont partis. Hein. Oh tu es joli toi. Oh là, un bon cochon tout noir comme ça. Mmh. Mais j'ai rien à donner, recule-toi, je te vois pas là. La roue à aube. Bah non, c'est parce que la roue elle tourne de l'autre côté, la roue elle tourne de l'autre côté quand j'ai appuyé dessus pour stopper. Ah puis là il te montre comment il faisait. Ouais. Là, il y a Oscar là, t'as vu? Ouais. Roger il est en prison. Selon domaine, par un séjour à durée indéterminée dans une petite cellule cachot se trouvant au sein même des maisons de maîtres. Tu vois, Maryse, comment tu vas finir? Ouais. Alors, donc là, c'était la salle de torture. Voilà. Ouais. C'est ça, le cognac. Ça. Ça. Oh, il est chaud le pinard. Non, allez, c'est bon. Écoute, c'est du vin rouge alors. C'est chouette. Oh, donc c'est celui que j'aime boire. Et là, du tinturette. Il arrache. C'est le même. Ouais, c'est tous les mêmes, les raids. Par contre, les suites, c'est tous les mêmes aussi, les suites. Eh ben, il est bon, le petit là. Le suite, c'est un vin doux. Ouais, c'est un jour de porto, c'est comme ça, non? Ouais. Muscatel. Ouais, voilà. Fumé rouge, hein. Et puis, tu lâches.
un petit raid. Ah, c'est sucré ça. Ouais, ah, c'est pas mauvais. C'est vrai que ça ressemble un peu au porto. Ça, c'est l'entrée du château Belvert. On va aller jusque là-haut, on va avoir plein les rabottes. Oh, j'espère qu'on va pas aller jusque là-haut, parce que là, on va être canné. Hein. On voit même pas la cathédrale dans le fond, là. Bon, allez, on va en haut. Roger, il y a de l'eau, là. Quel point de vue ?